Bonjour et bienvenue chez Xinam Batibo. Ensemble, nous allons réaliser, avec le chef Touta, moi-même, une recette très très simple, connue du Japon. Donc, on va faire un petit sushi, mais j'ai modifié un petit peu la recette en y mettant en fait un poisson mi-cuit que nous allons faire ensemble, accompagné d'une petite sauce teriyaki qu'on va laisser légèrement caraméliser. Nous avons donc besoin du riz à sushi. Donc, il s'agit d'un riz rond cuit à l'eau, avec l'assaisonnement de vinaigre, sel et sucre, et ensuite vous laissez refroidir. Voilà. Pour le poisson, on va travailler sur un filet de saumon que vous allez en fait couper en fines tranches grâce à un couteau Yanagi. Et ensuite, pour la sauce teriyaki, c'est un petit mélange tout simple de saké, de la sauce shoyu, donc la sauce soja japonaise, un peu de mirin, et ensuite un peu de sucre brun ou de sucre de canne. Alors, pour éviter que le riz colle à la main, imbibez donc votre main avec un petit peu d'eau. Ensuite, vous prenez une petite boule de riz environ de 20 grammes, formatez légèrement. De l'autre côté de la main, vous prenez le poisson. On va mettre une petite pointe de wasabi. Déposez la boule de riz. Poussez un deck pour bien caler la boule de riz dans le poisson. Vous retournez. Et ensuite, il suffit de donner la forme bien délicate et jolie d'un sushi nigiri. Voilà. Alors, il suffit maintenant, pour donner un aspect un petit peu grillé et mi-cuit au saumon, avec le chalumeau, on va passer légèrement sur le saumon. Alors, ensuite, on va dresser joliment l'assiette en nappant légèrement de la sauce teriyaki au pinceau. Vous placez ensuite le nigiri sushi, un peu de garniture. Il s'agit des petites feuilles de shiso, sorte de basilic ou de menthe japonais.